Je peux toujours compter sur toi. Merde. Et maintenant, ça craint de rester ici les bras ballants. Salut à tous, c'est Zedu45 et on se retrouve pour la suite de Death Gone. C'est parti. Alors, on peut pas passer par la fenêtre. Tout. Alors, j'ai pas de mission. Retourner au camp de Copland. Ah, bah, donc lui, il veut qu'on se parle. Bah, elle, c'est pareil. Elle a aussi, elle veut qu'on se parle. Là où il... Ah oui, il y avait un camp. Ah oui, c'est où? Là, il y avait une horde de zombies. Ah, j'étais là un moment. Ok, il y avait un camp juste à côté. Il n'y a pas de mission. À mon avis, ils vont se débloquer. Ils devraient se débloquer normalement. Quelque chose à dire. J'ai tout un tas de trucs intéressants. Ouais, mais je peux rien t'acheter. Tout est bloqué. Le SWAT 10, ça a l'air bien le SWAT 10. Ah, peut-être un peu plus puissant que le mien. Chargeur 30. 35. Il est vert. Ah, ce que ça... Ok. Mon chargeur, c'est un 35? Non, c'est lequel? C'est sûr. Et tu cherches plus de balles. Un truc en particulier? Ouais, sympa. Ouais. Bah ça, pour okay. Le fil, c'est clair. Ouais. Ouais. À plus. Je peux pas fouiller véhicule là? Non. Ah, j'ai pas de mission, y a rien. Un garage moto là? Peut-être pas, mais c'est des flics à faire ouais là-bas. Ah, en plus niveau essence. Niveau essence, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, il n'y a plus rien à faire en fait. Alors, les missions. De toute façon, les missions sont là. Retourner au camp, retourner au camp. Les infestations, ouais. Donc, je suis obligé de retourner dans les camps. Ok, bon, c'est de l'autre côté, et puis j'ai plus d'essence alors. Sinon, avec le mécano, je peux acheter de l'essence. Ah, c'est toi. Fais gaffe à ton commerce. Ah oui, lui aussi il a des trucs. Les pneus, les fourches. Qu'est-ce que t'as? Donc ça c'est à fond. Ouais, tout est à fond. Esthétique, peinture. Ok. Ouais. À la prochaine j'imagine. Ok, non, mais attends, lui, ils vont que ça? R. Ok, ok. Tiens, ça, c'est la fille. A pas de mission pour elle. Non. Après, je trouve que c'est de l'essence, là. J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là dans le repère il n'y a pas d'essence. Alors déjà faut que j'arrive à sortir d'ici. Le GPS il est perdu. Deux secondes. Ah ouais, je suis complètement vide. Ah ouais, je suis complètement vide, attends.
Ah, dans le camp, il disparaît. Quelle maison pas acheter? Là, il me faudra de l'essence. Il y a un site du Nero là. Hé, hey, Saint John, tu me reçois? Ouais, Schizo, je te reçois. Tu sais ce truc dont on a parlé? Il va me falloir un peu de temps. Je vérifie la sécurité à la frontière d'Ironbutte. Que j'évalue la situation au niveau Reaper. Tu vois ce que je veux dire? Non, Schizo, je vois pas du tout. Si tu me faisais un dessin. Dans les sens. Bien essayé, petit mariole. N'oublie pas que je prends des risques dans l'affaire. Ne me le fais pas regretter. Bon, je te recontacterai bientôt. En attendant, rends-toi utile au camp. Prouve qu'Iron Mike avait raison pour une fois. Ouais, bien sûr. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Terminé. Il n'y a pas de me donner une mission là? Hé, hey, Saint John, tu me reçois, mon frère? Je te reçois, Schizo. Mais je suis pas ton frère, putain. Ok, c'est toi qui vois. Moi, je fais ce que je peux pour aider ton frangin, c'est tout. Ce truc dont on va parler, disant que ce serait le bon moment pour y aller. Oh, tu veux dire que j'aille à la frontière des Reapers? Très drôle. J'ai rien dit de tel. Tout ce que j'ai dit, c'est que si tu prévoyais d'aller faire un tour, et comment vous appelez ça, vous les drifters? Enfourcher ta bécane, eh ben ce serait le bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Schizo, comme toujours, je vois ce que tu veux dire. Terminé. Attends, j'ai même pas le temps de lire. Alors, jouer toute la nuit. Infiltrer le territoire des Reapers pour voler des antibiotiques. Ah oui. Ok, on va y aller. Ah d'accord, pour infiltrer. Rouler jusqu'au lien. Voilà. Les zombies. Mec, vous avez buté devant lui, hein. Oula! Des hommes d'élite! Ouais, chope-le! Reviens! Vous êtes couvertus! On se retire! Ouah, ça tire de partout! Attention! Ok, c'est bon. Plus besoin. Non. Qu'est-ce que t'as trouvé? Je vais juste fouiller. Ah merde, quelqu'un a besoin d'aide. Ah t'as tué mec. À l'aide. Je vais te sortir de là. Tu veux crever là dehors? Écoute, il y a un camp. Un camp? Où? Non, il y a plusieurs camps. Montre-moi, j'y vais. Il y a plusieurs camps. Qu'est-ce que je t'emmène? Le camp d'Iron Mike. Oh, 1000. Bah tiens, voilà, regarde. Va à Lost Lake, parle à Ricky Patel. Elle te fera entrer. Oh, bordel de merde, je croyais que c'était la fin. Oh, merci beaucoup. Merci. Je t'en remercie infiniment. Dis-leur que c'était Deacon, ils comprendront. Continue à courir et te fais pas repérer. De toute façon, je suis pas trop loin là. La mission est là-haut. Parce qu'il faut jouer quand même des missions. Même si pour la mission, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Tu
suppose oui. J'ai entendu une fille crier. J'ai un zombie là-haut. De l'essence. Voilà, il va nous mettre ça de nuit, comme ça on verra rien du tout. Au moins on pourra quand même voir les ennemis vu que il y aura la lumière. Et je crois que mon atout je peux les voir à travers les murs. Donc à tester. Schizo, c'est Saint John. Je suis à la frontière. Tu vois mes hommes dans le coin? Non, Schizo, RAS. Ivoire, j'ai combien de temps devant moi? Quoi? De quoi tu parles? Tout ce que je sais, c'est que j'ai une partie de carte prévue avec certains de mes gars. Il est possible qu'un ou deux zappent leur tour de garde, mais je vais fermer les yeux. Et à vue de nez, je dirais qu'on est parti pour jouer toute la nuit. Donc jusqu'à demain matin. Compris, terminé. Alors, jouer toute la nuit. Ouais. Apparemment accueillant. L'autre il arrive comme il arrive sur moi tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Pas ta moto! Oh là là! Je vais prendre la moto, je vais fouiller le mec. Ah, me faut vraiment des munitions. Ah, j'entends une sorte de radio. Vous avez pas des munitions. Tiens. Ouais. De toute façon, ma moto, je serais obligé de la laisser ici. Ah non. Oh là, il y a la lumière. Oh. Ah, qui voilà. Ah, j'ai bien équipé lui hein.
Ah tiens, il y a encore ça. Hop. On a vu le truc d'être en hauteur. Ah, y a pas d'essence toi. Pour la moto, je pense que j'ai essence limitée. Ça, il était tout seul. Attends. Y a des snipers. J'ai raté. Ok, je l'ai tué, mais on sera. Il m'avait encore une balle et j'ai raté. Il va me voir arriver l'autre. Je suis là. Ah, tu montes ? Ok. Coucou. J'ai plus besoin de toi. Ok, t'as pas de munitions. Non, pas vraiment de munitions que je veux. Peut-être des balles de sniper. Ouais. Quand même. Allez, il y avait un ennemi, on va passer de côté. Putain, quel bordel. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois qu'on va mourir. Mais il va me débloquer. Attrape. Oh bordel! Mal.
Ouais, vas-y. Il a... Mais là, putain, mais c'était pas prévu, ça. Bordel. Ah, il va pas le blesser. Oh. Ok, j'ai une cachette. Attends qu'il me perd un petit peu quand même. Comme là, j'ai bien brûlé tout à l'heure. Elle perd un peu de vie, mais pas comme j'ai envie. Là, j'ai un atout, j'en profite. Quoi ça, des bombes tuyaux. Je sais pas si c'est bien ça. Vas-y. Je vais te niquer avec le feu, tu vas voir. Ah, il me voit. Hein. Voilà, je suis presque. Presque mort. Oh bordel, non. Ah, j'ai raté mon coup. Ah, la caméra. Bordel, j'étais dans le truc. Ah, je vais mourir. Oh. Putain. Saleté de caméra de merde. Ah merde, je suis mort à cause de cette caméra. La caméra s'est retournée. Satané de gorille. Putain, quel bordel. C'est bon, alors attends, il faut que je retrouve juste mon droit. Oui, passez. Alors. Ah, en plus la cachette elle est juste derrière moi. Ah, j'étais presque. Là normalement je suis derrière un rocher, mais il arrive à me voir. Ouais. Ah, il est malin. Oh, ça a explosé, il est tombé par terre. Qu'est-ce qu'il lui faut? Là, il brûle. Rentre, saloperie. Ok. Bordel! Oh, mon gros! Mon gros, je te dis, tu vas cuire!
Qu'est-ce qu'il fait? Ça brûle. Moi je joue à cache-cache avec lui. Hein. Il est malin parce qu'il se met vraiment il s'éloigne. Donc du coup j'ai du mal à l'avoir. Je fasse vraiment attention. Après j'arrive à le toucher. Ça brûle. Il faut pas qu'il me chope, hein. S'il me chope c'est fini. Tu vas crever, oui. Waouh. Eh, j'ai eu chaud là. Hein. J'ai eu chaud. Il y a quasiment plus de vie là. Ah, j'ai plus de balles. Non, c'est bon. Waouh. Je vais l'avoir. Il reste plus beaucoup de vie. Hein. Vas-y. Retourne de te cacher. Ah tête. C'est tout. Eh ben putain. Plutôt. Corias. C'est saloperie. Ah il y avait un piège. Hein. Les antibiotiques. Je trouve des antibiotiques. Alors, pique un peu tout ça. Ouais. Là je suis complètement à sec. Ah ouais. Sacré brut. Là les casse-couches ça sert à rien en fait. Vous avez une bouteille. Ça peut m'être utile. Des munitions. Ça c'est quoi, c'est de la vie? Ah je peux pas. C'est bon. Ouais, ça fera l'affaire. Faut que je les rapporte à mon moteur. Oula, ah, c'était le piège. Heureusement quand même il y avait cette cachette. Hop, la moto est prête à partir. Ça devrait le remettre sur pied. Et on pourra se tirer d'ici, partir au nord, comme il voulait. Deacon St. John, tu me reçois? Dick, c'est Ricky à toi. Quel après-midi je suis. Salut Ricky, c'est Dick, ça arrête pas de couper, je t'entends pas. Dick, t'es où? Il faut que je... Ricky, désolé, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Donc
Quand je suis retourné quoi au camp. J'espère qu'il n'y aura pas de... d'ennemis. C'est Lincoln. Derrière lui. Toi, et toi. Remontez la route. Faites gaffe qu'ils reviennent pas. Grouillez. Tu l'as trouvé? J'ai trouvé ce qu'il en restait, ouais. Ce qu'il en restait? J'ai entendu des coups de feu, qu'est-ce qu'il y a? Un accrochage avec des Reapers. Mais j'ai bien géré. Ah ouais, t'as géré? Qu'est-ce que... Waouh. J'aurais dû m'en douter. De quoi tu parles? Putain, Ricky, qui assure la sécurité? Tu sais quoi? Je me pose la question chaque jour qui passe. Je me tire d'ici. Tant mieux. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Ce que je fais là, Dick? Adi m'a envoyé te chercher. Pourquoi? Bon, une minute, c'est 12 heures, c'est ça? Aucune idée. Faut y aller. Qu'est-ce qu'il a, Boozer? Tout ce que je sais, c'est qu'Adi m'a dit de te trouver. En me renseignant, j'ai appris que Schizo et toi veniez par ici. Je comprends mieux pourquoi. Je vois pas de quoi tu veux parler. Le site du crash, le matériel médical. C'est un secret pour personne, Dick. Iron Mike négocie avec Carlos pour partager la moitié avec les Reapers. Oh, conneries! Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est des conneries! J'étais là! La soute est déjà à moitié vide! Les traces quittant le site du crash vont toutes vers le sud. J'ai affaire à ces enfoirés de Reapers depuis des mois. On peut pas se fier à eux. Tu parles comme Schizo. C'est lui qui t'a mis sur le coup. Il t'a parlé du site du crash, hein? Ouais, super. Maintenant, tu me prends pour le larbin de Schizo. Je me trompe? Dans ce cas, comment t'as su? Un drifter du camp de Copland. Tu l'as dit toi-même, c'était un secret pour personne. Ouais, c'est ça. Ça fait des mois que Schizo cherche une excuse pour attaquer les Reapers. C'est une belle coïncidence que tu lui aies mâché le travail. Je peux te poser une question? J'ai vraiment le choix. La dernière fois que je t'ai vu, avant l'hiver dernier, t'as envoyé Iron Mike se faire foutre parce qu'il voulait pas te payer pour ramener les survivants. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ah, je m'en souviens bien. Iron Mike a dit qu'il voulait rien avoir à faire avec des esclavagistes. Ok. On va jamais forcer personne à nous suivre. Mais Tucker, tu peux en dire autant? Je sais pas. Tu t'es jamais dit que quand t'abordes un survivant qui crève de faim, qui a pas dormi depuis plusieurs jours, il est si vulnérable qu'il cherche même plus à échapper à des types comme toi? Tu t'es jamais dit qu'ils avaient pas le choix? Ça t'a pas empêché de les emmener à Hot Springs et d'empocher tes crédits? On a tous le choix, Deacon. À nous aussi, ça nous coûte beaucoup d'accueillir ceux qui peuvent pas travailler et gagner leur croûte. Franchement, estime-toi heureux qu'Iron Mike soit pas comme toi. Un peu cruel. William, William, si tu m'entends, je te demande de te calmer. Adi, qu'est-ce qui se passe? Boozer! Attends, aide-moi à le tenir. Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu fais... Écoute, quoi, là? Je t'en prie, il faut le faire sans perdre une minute. Tu plaisantes? Oh, non. Deacon. Non, non. Deacon. Non, c'est hors de question, pas question. Je peux pas Deacon, te laisser lui faire écoute-moi. Ça. Écoute-moi. Les antibiotiques lui ont sauvé la vie. Mais il n'y a plus rien qu'on puisse faire pour son bras. Écoute-moi, j'ai besoin de ton aide maintenant. C'est ça ou tu regardes ton ami mourir? Adi, on est en train de le perdre. D'accord, très bien. Ok, ok. Allez, viens. Hé, hey, mec. Hé, hey, frérot, écoute, il faut que... Tiens-le, tiens-le ici, okay. Tiens-le. Dick, Dick. Ok.
Tiens-le fermement. D'accord. Ok. C'est pas vrai, on va perdre. Non, ça bipe le sang. Il faut arrêter là, il bipe le sang. Passe-moi la compresse. Ok. Boozer, tiens bon, mec, tiens bon. Tiens-le. Allez, où ça? Où je dois le tenir? Tiens-le juste ici, garde la tête froide et tiens-le. Ah, le pauvre. Il a perdu un bras. Hé, tu t'en es bien tiré. Quand j'étais au lycée, je me souviens, je savais pas si je voulais être ingénieure en mécanique ou chirurgienne. J'aurais peut-être dû être chirurgienne. Oh. Et toi? Ouais, c'est bon. T'as sauvé ton ami, tu sais. Ça m'étonnerait qu'il voit ça comme ça. Moi, je pense que si. Il faut que j'aille installer sa perf. Je sais pas où t'as dégoté tout ça, et je préfère pas le savoir. Mais ça sauvera beaucoup de vies, Deacon St. John. Beaucoup de vies. Je vais aller aider Eddie. Mike, reste tranquille. D'accord? Deacon! Sors de là! J'ai appris ce que t'as fait. Je pouvais quand même pas le laisser mourir. Mike, laisse tomber. C'est fait. Je le sais bien, bon sang. Boozer va s'en tirer. J'en sais rien. Mais les Reapers t'ont vu et t'ont suivi. Quand Carlos apprendra tout ça, il va nous le faire payer très cher. Carlos peut aller se faire foutre. Toi, tu mets sans cesse en danger la vie des autres. Et ça t'empêche pas de dormir? T'as fait ce qu'il fallait. Mike! Alors, l'avis des autres. Donc ça, je suis monté en confiance. C'est mon frère, je suis à 88%. Et tout ça regarde en même temps. Rouler jusqu'au lieu indiqué, il est en mission. Okay. Bon bah, et bien voilà, c'est la fin de ce petit let's play sur Death Gone. J'espère qu'il vous a plu. Je ferai la suite dans une prochaine vidéo. Bye bye.